Et vous, est-ce que vous pourriez être oisif? Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'art d'être libre dans un monde absurde de Tom Hodgkinson. Il s'agit d'un documentaire paru en septembre 2017 aux éditions Les Liens qui Libèrent. Si vous pensez que la société dans laquelle nous vivons actuellement est de plus en plus dénuée de sens et que vous souhaitez, à votre modeste niveau, vous en affranchir, n'hésitez pas, lisez ce livre. Tout d'abord, deux mots sur son auteur, Tom Hodgkinson. Il est très connu outre-Manche pour être notamment le fondateur de la revue The Idler, ou Le Paresseux en français, et se veut un ambassadeur de l'oisiveté. C'est-à-dire qu'il prône l'importance de l'inactivité, ou du moins l'importance de faire peu de choses, mais de les faire bien. Tout au long de son livre, Tom Hodgkinson passe en revue différents aspects de la société de consommation et qui peuvent être perçus comme étant aliénants. Cela va des factures que nous devons tous payer chaque fin de mois, à la compétition toujours plus forte régnant dans le monde du travail, en passant par des technologies censées nous rendre service, mais qui au final s'avèrent souvent chronophages. Ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est que l'auteur nous propose des solutions pour regagner notre liberté en s'appuyant sur des courants de pensée tels que l'anarchisme, l'existentialisme et en faisant de fréquentes références à la vie médiévale. Alors vous allez me dire, le Moyen-Âge, a priori, c'est pas très folichon. Oui, mais il y avait quand même certains concepts qui, transposés à notre siècle, pourraient être intéressants. Alors personnellement, j'ai trouvé que ce livre était une véritable bouffée d'oxygène. Il nous permet de nous interroger sur notre monde qui va de plus en plus vite et où le fait d'être oisif, de ne pas faire grand-chose justement, s'apparente de plus en plus à une résistance contre toute cette frénésie qui nous épuise. Donc en résumé, un ouvrage rafraîchissant, richement documenté et dans lequel vous trouverez certainement des idées pour rendre votre vie plus légère et joyeuse. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et suivez-nous sur les réseaux sociaux, signez Lausanne. Ciao !